Et salut à toutes et à tous, c'est Chrono et on se retrouve pour le blabla de Chrono, j'allais dire l'épisode, mais non, c'est pas un épisode, mais le blabla de Chrono numéro 5. Donc ça fait longtemps, hein, ça fait vraiment très très longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo. Ça fait depuis mars, hein, qu'il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne, hein, et j'en suis désolé, hein, qu'il n'y a pas eu vraiment qu'il n'y a pas eu de vidéo ces derniers temps. Hein. C'est vrai que je tenais à m'excuser parce que il y a eu pas mal de choses, notamment mes écouteurs qui étaient morts. Moi, j'écoute le son du jeu avec des écouteurs en même temps que j'ai mon casque pour parler. Et puis voilà, c'est toute une organisation assez bizarre, étrange. Mais c'est mon organisation. Et c'est vrai que j'avais pas mes écouteurs, donc je pouvais pas écouter le son du jeu correctement. Donc j'ai dû déjà en reprendre. Donc ça, c'est pas très grave. Mais ensuite. Ben ça avait été le casque qui avait lâché, donc seulement la partie casque, enfin je pouvais entendre le son, je pouvais parler avec, mais le problème c'est qu'il ben, était cassé, voilà, donc c'est pas pratique. Donc après je m'en suis racheté un, mais après il y a aussi eu pas mal de choses, parce qu'il y avait aussi les lives avec Spectrolo, donc à chaque fois ça arrivait quand je voulais tourner, même si bon, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos avec lui, mais c'est vrai que ça me donnait encore moins de temps. Puis après, j'étais aussi sur FF14, ce qui me donnait encore moins de temps. Puis après, je jouais de mon coin à différents jeux, notamment The Legend of Dragoon ces derniers temps, ce qui me donnait encore moins de temps pour tourner. Puis en même temps, ça a commencé parce que j'étais aussi malade. Il y a une période où j'étais malade, puis après, j'ai eu un rhume. Donc, je dis malade, c'est rien de très grave, mais juste un petit truc. Voilà, j'étais pas forcément très bien pour tourner. Puis après, j'étais enrhumé, donc c'était en. Je pouvais tourner, mais parler, hein, salut tout le monde, c'est Chrono, comment ça va? En voix de canard, donc je suis désolé, après, renifler toute la vidéo, je pense pas, moi en tout cas ça m'aurait pas plu, et je pense pas que ça vous aurait plu quand même, donc je préfère vraiment faire des vidéos à narines dégagées pour pouvoir envoyer tout ce que je veux, tranquillou, voilà. Donc aussi, si je fais cette vidéo, ce n'est pas seulement pour ça, c'est aussi pour, voilà, pas seulement pour vous annoncer mon retour, mais aussi. Bon, pour faire un truc très simple, mais parce que si c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos sur ma chaîne, si on va sur ma chaîne et qu'on regarde ici, bah, vous pouvez voir que ça fait que cette chaîne-là, bah, je suis membre sur YouTube depuis le 5 mai 2012, ce qui fait que, bah, que ce mois-ci, bon, même si j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt, parce que là on est quand même le 14, je suis à la traîne, hein? Bon, c'est pas très grave, bah, ça fait les 3 ans de Chrono Channel, c'est 3 ans que cette chaîne existe, hein. Ça fait 3 ans de let's play sur cette chaîne-là, et ça fait quand même plaisir, hein, de voir que là, bon, on est. On est à combien? On est à 500 vidéos, je crois, mais un truc de malade, hein. Bon, même si j'en ai supprimé pas mal, notamment bah, tout ce qui est série. Film et tout, parce que c'est vrai que je voulais partager, mais c'est vrai que bon, malheureusement, il y a eu de la correspondance, ce qui fait que je peux plus faire de live sur YouTube. C'est pour ça que Pokémon Crystal est arrêté, même si j'avais, voilà, j'avais fait un petit peu une petite pause dessus, mais après là, ça a carrément arrêté. Mais peut-être que je prendrai sur Twitch, que j'ai aussi une chaîne Twitch, hein. De toute façon, je vous invite à cliquer ici, voilà, pour aller la voir, hein, il n'y a pas de souci. J'ai aussi un Twitter, n'hésitez pas, c'est le petit symbole, vous pouvez y accéder très facilement. Il n'y a pas de souci, comme ça vous pouvez voir un petit peu quand je dis de la merde, un peu tout ce que j'ai à dire. Si je dis quelque chose, voili voilou. En tout cas, voilà, ça fait quand même plaisir. On va pouvoir reprendre, donc déjà avec l'épisode 7 de Type Zero HD. Donc en fait, je voulais le tourner depuis le 27 mars, cet épisode 7. Oui, depuis le 27 mars, sauf qu'il y a eu des petits problèmes. Puis des fois, enfin, des fois j'arrive pas à tourner, des fois, il y a bah, comment dire? Des obstacles, on va dire, voilà, il y a toujours la famille, des bruits extérieurs qui n'aident pas, et puis même moi, des fois, j'arrive pas à tourner, hein, des fois, je recommence des vidéos plusieurs fois, mais j'avais réussi à le tourner il y a pas mal de temps, avant que mon ancien micro me lâche, ce qui fait que l'épisode n'est pas encore monté. J'aurais pu vous le monter et vous le mettre, hein. Je vais le mettre en plus gros, je sais pas pourquoi il s'est mis en petit, mais j'aurais pu vous le mettre, mais je trouve que ça aurait été encore plus dommage de vous mettre cet épisode, de vous mettre une vidéo, et ensuite qu'il n'y ait plus rien. Alors j'ai préféré ne mettre absolument aucune vidéo pour qu'en fait les vidéos reviennent comme ça d'un seul coup, que ça s'enchaîne, que finalement qu'il n'y ait qu'une vidéo, puis après qu'il n'y ait plus rien. Ça aurait été vraiment, vraiment très, très dommage. Je pense que vous êtes d'accord, que vous serez d'accord avec moi,
Je préfère qu'il n'y ait pas de vidéo, mais qu'après ça revienne d'un coup, qu'il y ait une vidéo par-ci par-là, que voilà, vous êtes content, puis qu'après il n'y ait plus rien. C'est vraiment dommage. Voilà, c'est pour dire que cette vidéo a été tournée, que le Let's Play reprendra tout simplement. Voilà, le Let's Play de type 0, voilà, avec la boîte du collector tout doré. Voilà, le steelbook qu'il y avait dans le collector. Ben voilà, ce Let's Play reprendra. Et par respect par vous, parce que j'aurais pu y jouer en off, je n'ai pas joué en off. Je n'ai pas fini le jeu. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est toujours la découverte. J'ai gardé la découverte vraiment pour vous. Parce que j'aurais pu jouer. Surtout que je suis fan de cette série, donc c'est un peu dur. Donc je joue à d'autres jeux en attendant. Voilà, je garde vraiment ce Let's Play. Je me suis mis dans l'optique de le faire en Let's Play. Donc je le finirai en Let's Play. Voilà. Par contre, pour l'entraînement, bien sûr, ça je le fais en off, hein, pour exercer un peu, pour m'entraîner sur les autres personnages. Je le fais en off, il n'y a pas de. Il n'y a pas de soucis, pour un peu XP quand même. C'est vrai que c'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est vrai que pour tout ce qui est scénario, ça je garde vraiment pour l'histoire, je garde vraiment pour le Let's Play. Il n'y a aucun souci pour cela. Bon, après, pour les prochains Let's Play. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Bon, à part SF13-2, qu'il faudra que voilà que je commence, mais il faudra que je finisse au moins Type 0 HD ou FF6, qu'il faut que je tourne aussi. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il me semble, non, je ne sais plus si, ouais, j'ai l'épisode 19 qui est tourné, et, qui a été tourné il y a 5000 ans aussi, que je n'ai pas monté. Parce que, disons que j'étais, voilà, j'étais à fond, je crois, dans FF13 ou je sais plus, mais ça a été tourné à pas mal de temps. Il faudra que je le monte et que je l'upload aussi, mais ça on verra ça plus tard. Et il faudra que je tourne la suite aussi. Mais c'est vrai que ouais, en ce moment, ouais, il y a des moments où je suis pas trop. Où il y a moins l'envie, il y a moins le temps, il y a moins. C'est des choses qui arrivent. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous annoncer mon retour. Voilà, je suis de retour, je suis en pleine santé. J'ai toujours envie, c'est juste que voilà, il y a des moments où j'avais moins le temps, c'était moins possible. Voilà, attends, je prends un petit coup de coca aussi parce qu'on perd pas les bonnes vieilles habitudes. Ça fait du bien, par où ça passe. Aussi sûrement prochainement, une petite vidéo, une petite chronostase, hein, une petite vidéo détente. Hein. C'est vrai que je l'appelle chronostase, mais c'est une vidéo détente. Hein, c'est juste que j'ai donné un autre nom. Hein. Une vidéo détente sur Assassin's Creed Rogue, parce que je l'ai commencé enfin, parce que je l'ai acheté en même temps que Unity. Hein, je vous avais dit que je ferais une vidéo aussi sur celui-là. Mais je l'ai pas fait, parce que j'étais à fond sur Unity, et j'avais pas commencé Rogue tout de suite. Après avoir fait Unity, j'avais pas forcément envie de commencer Rogue tout de suite. Puis là, je l'ai commencé assez récemment, je le finirai assez vite. Je pense, je vais pas trop faire platine pour cette fois. Mais je vous ferai une petite vidéo quand j'aurai un peu plus avancé sur le scénario. J'ai à peine fini le chapitre 1, pour tout vous dire. Mais dès que j'aurai un petit peu plus av avancé, je vous ferai une petite vidéo détente, tranquille ou la poser sur ce titre qui m'a l'air plutôt pas mal. Hein. Voilà. Je pense que ce sera tout pour ce blabla de chrono, parce que sinon on va pas faire 500 heures où vous allez m'entendre parler comme ça sur ma chaîne. C'était une vidéo vraiment, vraiment, voilà, vraiment simpliste, mais que je tenais à vous faire pour vous dire. Je suis de retour, les vidéos reviendront incessamment sous peu. J'essaierai de tourner l'épisode 8 de Type 0 HD cette semaine, comme ça je vous proposerai l'épisode 7. Puis après, ça va normalement s'il n'y a pas d'autres soucis. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres soucis. Ça s'enchaînera assez vite et qu'on finira dans les mois à venir. Si c'est pas ce mois-ci, ça sera le mois prochain. J'espère que je vais essayer d'avancer plutôt vite. En tout cas, je vais me concentrer pour l'instant sur Type 0 HD. Donc pour dire de voilà d'un petit peu. Un petit peu vraiment rattraper tout ça. Donc après, pour ceux qui se demandent pour Kingdom Hearts, je sais toujours pas. C'est vrai qu'à chaque fois que je le reprends, après il y a des arrêts. Malheureusement, voilà, c'est pas que je peux pas gérer trois let's play, c'est juste que là en ce moment, oui, je peux pas les gérer. C'est vrai qu'il y a des moments où je peux plus gérer, et des moments où j'avais plus géré, et puis il y a des moments où je tourne un peu plus de ces vidéos-là, de ce let's play là, puis après je tourne un peu plus de ce let's play là. Voilà, après il y a des moments où je tourne un peu plus de chaque let's play, mais c'est vrai que là en ce moment, c'est vrai que pour gérer
C'est pas trop ça, on va dire. Donc voilà, je pense que ça va. Qu'on va conclure cette vidéo ici. J'espère que vous l'aurez apprécié. J'espère aussi que vous appréciez la qualité du son, hein, parce que bon, je sais pas si voilà si ça vous conviendra. Malheureusement, bon, hein, je peux pas trop en faire plus. Hein. C'est toujours mieux que ce qu'il y avait avant. Si vous dites que là c'est de la merde, écoutez mes vidéos d'avant. Là, je pense que vous pouvez vous régaler auditivement. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis, je m'en fiche. Voilà, parce que c'est vrai que en écoutant avant c'était bien, mais maintenant quand tu réécoutes, t'as plus envie de rigoler. Parce que c'est plus du tout la même chose que maintenant. Mais c'est ça, c'est l'évolution. Voilà, merci à tous. Je vous dis à la prochaine pour la suite de mes let's play de Type 0 HD. Il y aura aussi sûrement des vidéos de FF14 aussi, parce que je joue beaucoup à FF14 et j'ai beaucoup avancé. J'atteins le niveau 50. Voilà, je suis e-level 96, donc ça avance pas mal. Donc je referai une vidéo dessus. Comme ça, si vous voulez me rejoindre dessus, si vous êtes sur le jeu, si vous êtes sur le même serveur que moi, voilà, si voilà. Enfin, on verra ça plus tard, mais voilà. C'est voilà, de toute façon je referai une vidéo sur ça. Donc voilà, merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je parle toujours autant, mais c'est l'habitude, donc un petit dernier coup de coca. Et aussi un petit coup de brioche parce que c'est. On est à 16h21, c'est le goûter. Hein, et voilà. Mais pas trop de chocolat, putain, c'est de la merde. Donc voilà, merci à tous. Et je vous dis à la prochaine. Pour la suite et pour le retour de Chrono. Voilà, merci à tous et à la prochaine. Ouais. Ça, y a un peu des morceaux que je vois, c'est un peu. C'est pas... Mais en même temps, c'est de la sous-marque aussi. Hein. C'est pas comme si c'était du pitch ou là, t'as vraiment du pur chocolat, de la mort qui tue. Enfin bon. Vous vous en foutiez, mais bon, comme ça, vous savez que je vais bien. Voilà, tranquillou. Merci à tous et je vous dis à la prochaine.